Conférence « Je change ma vie par le pouvoir d'attraction de ma pensée. » Bonjour, je me permets de me présenter, je m'appelle Jean-Michel Aumaud, j'ai exercé l'activité de coach en pensée positive et également de magnétiseur à Mazamet dans le département du Tarn pendant un grand nombre d'années et auparavant dans d'autres régions. Un coach en pensée positive, cela signifie tout simplement aider une personne à atteindre ses objectifs par le biais des techniques de pensée positive. Magnétiseur, cela consiste en des soins énergétiques par imposition des mains. Lors de cette conférence, je n'aborderai pas le sujet du pouvoir d'attraction de la pensée sous l'angle de la physique quantique, ni sous l'angle de la psychologie positive, mais sous l'angle du spiritualisme. Le pouvoir d'attraction, je l'ai découvert il y a maintenant quelques décennies, à l'âge de 6 ans environ. Ce jour-là, j'accompagnais mon grand-père chez le coiffeur. Nous devions nous faire couper les cheveux, l'un après l'autre, et comme mon grand-père passa en premier, le coiffeur, gentiment, pour m'aider à patienter, me prête un aimant. Je n'avais encore jamais vu une chose pareille. Je m'amusais à tirer toute une file d'épingles derrière l'aimant, et je les soulevais, même au-dessus de la tablette. J'étais émerveillé. C'était vraiment magique pour moi. Cela m'a tellement stupéfait que cela est resté gravé dans mes mémoires, ainsi je m'en souviens comme si c'était hier. Ce qui me surprit beaucoup, c'est qu'une épingle seule ne pouvait attirer vers elle aucune autre épingle. Par contre, dès qu'une épingle était en contact avec l'aimant, elle pouvait attirer d'autres épingles à son extrémité. En fin de compte, je venais de prendre conscience du mystérieux pouvoir de l'attraction. Par analogie, cette expérience résume l'essentiel du pouvoir d'attraction de la pensée. L'aimant, c'est la source divine, que l'on peut nommer différemment selon ses croyances personnelles. Peu importe, le fonctionnement est le même. Les épingles, c'est nous autres qui cherchons à évoluer en ce monde. Plus nous sommes connectés à la source, plus notre magnétisme personnel sera grand, plus le pouvoir d'attraction de notre pensée sera puissant, et plus nous aurons un impact sur notre environnement. Cependant, l'analogie s'arrête là, car notre pensée possède toujours un pouvoir d'attraction, même si ce pouvoir est beaucoup plus puissant lorsque nous sommes reliés à la source. Ces pouvoirs d'influence de notre pensée, je n'allais commencer à m'en rendre compte qu'un peu plus de 10 ans après. En même temps que je découvris mes facultés de magnétisme, je devins insatiable au point de vue lecture. Ainsi, je lus un livre de Paul-Clément Jagot aux éditions d'Angle, « L'influence à distance ». J'essayais, selon les conseils de l'auteur, de transmettre des messages télépathiques à un ami. Les expériences se révélèrent tellement probantes que j'en devins à jamais convaincu du pouvoir d'influence de notre pensée consciente ou inconsciente. Durant la même période, je trouvais par hasard, je devrais plutôt dire je m'attirais, l'ouvrage d'Emmett Fox, « Le pouvoir par la pensée constructive » aux éditions Astra à l'époque, aux éditions Bussière à l'heure actuelle. Si je le trouvais très intéressant, malheureusement, je n'en compris pas toutes les subtilités. Ce n'est que 14 ans plus tard, en 1984,
lors d'une période particulièrement difficile de mon existence, où j'étais obligé de trouver un emploi de toute urgence, et qu'après 150 démarches infructueuses, je commençais à désespérer, je ressortis l'ouvrage d'Emmett Fox du fond d'un tiroir. Je pratiquais alors la cure mentale de 7 jours, qui consiste à s'efforcer à n'entretenir en son mental que des pensées positives durant une semaine complète. Étant donné la gravité de ma situation, je pratiquais cela au pied de la lettre. Quelques jours après cette fameuse cure, je reçus une communication téléphonique de la part de l'une de mes anciennes 150 démarches, à laquelle je ne pensais même plus. Le candidat retenu ayant fait faux bond au dernier moment, je fus aussitôt pris, là encore, d'une sensation identique à l'expérience de l'aimant chez le coiffeur, que je pourrais résumer ainsi « Oh, c'est magique, merci mon Dieu !» À partir de ce moment, j'étudiais à fond tous les ouvrages de pensée positive et de visualisation créatrice que je pouvais me procurer. Les livres de Joseph Murphy, de Jacques Addington, de Georges Barbarin, de Marcel Auclair, puis Shakti Gawain, Louise Hay, etc. Tout cela pour aboutir dans un premier temps à ce que je fonde en Normandie une association de pensée positive, la pensée positive au service de la vie, qui allait être très active entre 1988 et 1997, mais cessa ses activités suite à mon changement de région. Au cours de cette période très active, je pus vérifier très régulièrement la réalité du pouvoir d'attraction de notre pensée, pouvoir que l'on peut aussi bien utiliser à notre avantage ou à notre désavantage. Ça marche dans les deux sens. J'ai constaté également un bon nombre de fois qu'en utilisant ce pouvoir judicieusement, nous pouvions changer notre vie positivement et attirer à nous les bonnes choses de la vie. Qu'est-ce que la pensée positive ? Principe de base. Premièrement, la pensée positive repose sur le principe suivant : la pensée est un acte, une force agissante. C'est ce qu'enseignent les yogis et les différents maîtres spirituels depuis des millénaires. Deuxièmement, toute pensée bonne ou mauvaise produit immanquablement des effets. C'est ce qu'on appelle le pouvoir d'attraction de la pensée. Effet sur nous-mêmes, par exemple psychosomatique, ou sur autrui, influence télépathique. Des effets sont constatés également sur les animaux, les végétaux, les métaux, les appareillages électroniques. Troisièmement, une pensée destructrice, négative, produit des effets négatifs sur nous-mêmes et sur autrui. Une pensée positive, constructive, aimante, produit des effets positifs sur nous-mêmes et sur autrui. Comment utiliser ce pouvoir à bon escient ? Il suffit de comprendre comment cela fonctionne et puis de mettre en pratique les résultats suivants. Nous sommes au moins constitués de trois personnages. Le conscient, qui correspond à notre état de veille habituel, le subconscient que nous pourrions comparer à un ordinateur ou bien à un serviteur fidèle qui suit aveuglément les ordres de nos pensées émises, volontairement ou involontairement. Le surconscient, qui est la partie de nous-mêmes en contact avec la source divine, cette partie de nous, on l'appelle souvent le « moi supérieur ».
En fait, nous pourrions résumer tout cela par un schéma simplifié. Notre conscient est un miroir tournant. Nous pouvons l'orienter vers où nous voulons. L'énergie positive de notre surconscient et au-delà l'énergie divine, ou bien vers l'entendement collectif, essentiellement négatif, ou bien encore certains programmes négatifs hérités de notre éducation, de nos peurs, de nos rancunes, etc. En bref, nous aurions intérêt à orienter le miroir vers le surconscient, puis ensuite renvoyer l'énergie positive en un ordre précis vers le subconscient qui fera le travail. Pour tourner notre conscient vers notre moi supérieur, il suffit de concentrer notre mental sur une idée qui symbolise pour nous le divin. Ce peut être aussi bien le Christ, l'intelligence infinie, l'univers, l'énergie cosmique, l'amour universel, etc. Selon votre système de croyance, bien sûr. Vous utiliserez cette idée à la fois sous forme d'image et de mots. L'énergie cosmique, vous pouvez très bien la symboliser par l'image d'un soleil, par exemple. Deuxièmement, constituer une phrase au temps présent. Cette affirmation qui vient de l'expression « rendre ferme » doit être dite au temps présent, car sur le plan spirituel, votre objectif est déjà réalisé. Troisièmement, cultiver un esprit d'expectative positive, c'est ce que l'on appelle plus communément la foi et la confiance en la réalisation à venir. Quatrièmement, attendre la réalisation à la fois dans la paix intérieure et la réceptivité aux intuitions qui vous orienteraient à accomplir toute action qui irait dans le sens de la réalisation de l'objectif. Cinquièmement, surtout évitez à contredire par vos pensées et vos actes votre travail de pensée positive, c'est-à-dire s'efforcer de ne pas émettre de pensées négatives. Exemple de pensée négative, je n'y arriverai jamais, c'est pas pour moi, c'est impossible, je ne suis pas assez intelligent pour, je ne suis pas capable de, je ne le mérite pas, etc. Vous pourriez me donner bien d'autres exemples de pensées négatives. Eh bien, toutes ces pensées négatives, ce sont autant d'auto-sabotage quant à l'obtention de votre but. Vous vous mettez des bâtons dans les roues. Car le pouvoir de l'attraction de votre processus de pensée joue dans les deux sens. Votre subconscient va attirer à vous les personnes et les situations en relation avec vos pensées dominantes. Il est donc impératif de vous efforcer à cultiver intérieurement des pensées positives. Admettons que vous pratiquez une profession indépendante, comme commerçant ou artisan ou profession libérale, et votre objectif, augmenter le nombre de vos clients. Vous pourriez constituer une affirmation ressemblant à celle-ci. Désormais, l'intelligence infinie m'attire à moi une clientèle nombreuse qui peut vraiment profiter de mon aide. À répéter plusieurs fois au lever et au coucher ces moments privilégiés où le subconscient est plus facilement accessible. Pour qu'une affirmation vous permette d'atteindre votre objectif, ou tout du moins s'incruste dans les profondeurs de votre subconscient, on considère qu'il faut au minimum, en général, 3 semaines. Quant aux visualisations associées, nous allons faire un petit exercice pratique avec ce même exemple. Vous vous placez donc dans une position confortable, favorable à la détente, à la visualisation. Vous détendez le bras droit, la jambe droite,
la jambe gauche, le bras gauche, les épaules et le cou détendus. Vous détendez les muscles du visage, les muscles des mâchoires, les joues, les muscles autour des yeux, le front, tout le visage. Tout le visage détendu, tout le corps détendu. Maintenant, vous imaginez la scène suivante. Vous êtes sur votre lieu de travail. C'est le début de votre session d'activité. Les premiers clients ne sont pas encore arrivés. Vous vous sentez vraiment très bien, en bonne forme physique et morale. Vous recevez un bon nombre de communications téléphoniques et de courriers de demande de rendez-vous. Aussi, vous éprouvez beaucoup de satisfaction intérieure en pensant que l'argent rentre à flot. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas uniquement de visualiser, de répéter intérieurement, mais aussi de ressentir. Vous vous répétez plusieurs fois intérieurement, désormais, l'intelligence infinie attire à moi une clientèle nombreuse qui peut vraiment profiter de mon aide. Désormais, l'intelligence infinie attire à moi une clientèle nombreuse qui peut vraiment profiter de mon aide. Vous voyez ensuite accomplissant votre travail avec vos clients, se passe très bien. C'est merveilleux. Puis, vous vous voyez en fin de session d'activité. Vous avez travaillé dans la détente et beaucoup d'enthousiasme. Votre tiroir est plein de chèques et billets. Vous vous sentez bien et joyeux, plein de gratitude envers l'intelligence infinie. Puis, vous laissez ces images, ces impressions couler dans votre subconscient, et vous ressentez le va-et-vient de votre souffle, la posture de votre corps, vous ressentez bien votre front, les muscles autour des yeux, les doigts des mains, les paumes des mains, les orteils, les plantes de pied, et vous ouvrez les yeux quand vous voulez. Apportons des précisions supplémentaires sur le pouvoir d'attraction de votre pensée. Voici un petit tableau qui vous montre les attitudes à développer pour attirer le positif ou le négatif selon votre choix, car bien sûr, vous avez le pouvoir de choisir. Bien sûr, si vous voulez vous attirer les bonnes choses de la vie, évitez des pensées négatives qui infesteraient votre vie. Ne soyez pas pessimiste. Soyez plutôt optimiste. Donc, le pessimiste, tout ira de plus en plus mal, rien ne s'arrangera. L'optimiste, tout est bien dans l'ordre divin, tout s'arrange en harmonie parfaite. Le pessimiste, j'en suis incapable. L'optimiste, avec Dieu, tout est possible. Le pessimiste, la vieillesse et la maladie. L'optimiste, la vieillesse me procure la sagesse, l'harmonie et la santé. Le pessimiste, je n'ai plus que 15 jours de vacances. L'optimiste, j'ai encore 15 jours de vacances. Le pessimiste, je ne lui pardonnerai jamais, je le déteste. L'optimiste, je pardonne à moi-même et à tous ceux qui m'entourent. Le pessimiste, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Avec ma malchance habituelle, cela pourrait bien encore m'arriver. L'optimiste, je me confie aux forces supérieures, je suis divinement protégé. Le pessimiste, évitez l'attente négative. Tiens, vous ne vous êtes jamais encore cassé un membre. L'optimiste, je m'ouvre à la plénitude de la vie qui est joie parfaite, santé, abondance.
N'éduquez pas vos enfants négativement, ne leur dites pas « il est laid de mentir », dites-leur plutôt « il est beau de dire la vérité ». Voici un autre schéma qui démontre que les petites attitudes positives accumulées peuvent vous faire parvenir à de grands résultats. Ainsi, chaque jour, avec votre affirmation et votre visualisation, vous ajoutez une petite bille de plomb de l'autre côté de la balance. Et finalement, votre objectif finit par être atteint, ce qui est l'équilibre de la balance. Par contre, si lorsque vous mettez 3 billes, 5 minutes après, vous enlevez une bille, crainte, doute, etc., vous progressez beaucoup plus lentement. Donc, c'est ainsi que l'on voit l'équilibre, les balances de nos pensées et le résultat. Donc, au départ, bien sûr, il y a le poids à soulever pour équilibrer. Deuxièmement, par une pratique régulière de l'autre côté de la balance sur l'autre plateau, on ajoute des billes et finalement ça finit par s'équilibrer. Et quand ça s'équilibre, la réussite suite à une pratique régulière. Chaque jour, on a rajouté des billes de l'autre côté sur l'autre plateau. Or, évidemment, dans la manifestation d'un maître de pensée positive, il va mettre toutes les billes d'un seul coup et l'équilibre se fera d'un coup. Or, dans le phénomène, par contre, d'auto-sabotage, on met 5 billes, on en retire 2 ou 3, et donc, à chaque fois qu'on retire quelques billes, ça se rabaisse, donc on met beaucoup plus longtemps pour parvenir au résultat, au succès. D'ailleurs, pour vous mettre en garde contre toutes ces pensées négatives voleuses de notre bien-être, voici un petit sketch. Madame Laguigne et Monsieur Lejoyeux se rencontrent dans la rue. Ils viennent de chercher leurs enfants à l'école. Madame Laguigne. Bonjour, Monsieur Lejoyeux. Comment ça va aujourd'hui? Monsieur Lejoyeux. Bonjour, Madame Laguigne. Très bien, et vous-même? Madame Laguigne. Ça va comme ça peut. C'est surtout ma petite Thérèse qui m'a fait du souci ces derniers jours. Elle avait attrapé la rougeole. Et votre petit Paul, il n'a pas encore eu la rougeole? Monsieur Lejoyeux, le petit Paul n'est pas souvent malade, il est plutôt en pleine forme. Madame Laguigne, ne criez pas ça trop fort, vous allez vous attirer le malheur. De toute façon, le petit Paul attrapera bien la varicelle si ce n'est pas la rougeole. Monsieur Lejoyeux, Madame Laguigne, vous n'êtes pas bien gaie aujourd'hui. Madame Laguigne, que voulez-vous par les temps qui courent, avec toutes les mauvaises nouvelles? On ne peut aller que de pire en pire. Monsieur Lejoyeux, il ne faut tout de même pas tout voir en noir, Madame Laguigne. Je suis lucide, tout simplement. La misère se répand, le climat est détraqué, les gens sont jaloux et méchants, et l'avenir sera catastrophique, alors. Monsieur Lejoyeux, eh bien, il faut toujours espérer. Malgré les épreuves, le monde a toujours survécu. Madame Laguigne, vous en avez de bonnes, vous, alors. Cela se voit que vous n'êtes pas à ma place. Monsieur Lejoyeux, ah bon? Qu'est-ce qui vous arrive? Madame Laguigne. Mon imbécile de belle-mère répand des médisances sur moi. Mon idiot de mari passe son temps devant la télé au lieu de m'aider. Et pour finir, la propriétaire de notre maison refuse de faire les travaux de réparation que nous demandons. Ça, je l'avais bien senti dès le départ que cette femme était détestable. Monsieur Lejoyeux. Allons, Madame Laguigne, tout cela finira par s'arranger. Madame Laguigne, ce qu'il y a d'ennuyé avec vous, Monsieur Lejoyeux, c'est comme à vous, il n'arrive pas d'ennui, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Monsieur Lejoyeux, vous savez, Madame Laguigne, il m'arrive aussi d'avoir des ennuis, mais je les surmonte. Madame Laguigne, taratata, vous êtes né sous une bonne étoile, et moi j'ai tiré le mauvais numéro. Au revoir, Monsieur Lejoyeux, et à bientôt si Dieu le veut. Commentaire. Cet exemple amusant est une mise en évidence du pouvoir de l'attraction. Madame Laguigne s'attire de nombreux ennuis par son attitude mentale négative. Monsieur Lejoyeux surmonte ses difficultés en voyant les choses d'une façon optimiste. Le pire, c'est que l'on n'y prend pas garde, des personnes comme Madame Laguigne attirent le négatif aussi sur les personnes qu'elles rencontrent. Ainsi, le petit Paul, facilement fragile et réceptif, comme beaucoup d'enfants, pourrait très bien s'attirer effectivement la rougeole, son subconscient ayant accepté l'ordre de Madame Laguigne.
n'a pas encore eu la rougeole. Sous-entendu, il l'aura bientôt. Voyons maintenant une méthode excellente de pratique de pensée positive. C'est Emmett Fox, ce grand enseignant de l'utilisation constructive du pouvoir d'attraction de la pensée, qui proposait cette technique qu'il surnommait la clé d'or. C'est une pratique toute simple, mais merveilleuse d'efficacité. Premièrement, il s'agit de préciser son intention. Exemple, je traite par la clé d'or ma relation avec un tel. Deuxièmement, d'oublier ce sujet de préoccupation en se concentrant aussitôt sur le divin. Pour ce faire, se concentrer sur l'idée d'une qualité de Dieu, par exemple Dieu est amour, et vous vous concentrez sur cette phrase en la répétant intérieurement durant quelques minutes. Si vous éprouvez la difficulté à choisir une qualité particulière de Dieu, vous pouvez simplement répéter la phrase suivante, il n'y a pas d'autre puissance que Dieu. D'ailleurs, c'est une phrase qu'utilisait beaucoup le docteur Mary Stelling, fondatrice du Centre Unité Universelle à Paris. Refaire cette pratique régulièrement, au moins une fois par jour, soit jusqu'à l'obtention du résultat, soit jusqu'au moment où vous ressentez le sentiment intérieur que tout est accompli. Je n'ai pas d'autre mot pour exprimer ce sentiment très particulier que tout est en route, il n'y a plus qu'à attendre. Je vous conseille l'ouvrage d'Emmett Fox, Le pouvoir par la pensée constructive, aux éditions Bussière. Il est très important et indispensable de ne plus penser à votre sujet de préoccupation. Sinon, vous refusez de lâcher le ballon et le message ne parvient pas au divin. L'expression « lâcher le ballon » est une image beaucoup employée par l'experte en loi de l'attraction Marcella de la Faye. Elle établit le parallèle entre un ballon gonflé à l'hélium, auquel on aurait attaché un message à destination de quelqu'un d'autre. En se préoccupant toujours du problème, c'est comme si l'on refusait de lâcher la ficelle du ballon et le message ne peut pas parvenir à son destinataire. Apportons maintenant des précisions supplémentaires sur les mécanismes du pouvoir d'attraction de la pensée. Nous attirons à nous les situations et relations en concordance vibratoire avec nos formes pensées. Les formes pensées sont de petits nuages colorés énergétiques qui persistent dans l'éther en périphérie de notre aura. Ces formes pensées sont constituées par nos pensées habituelles, dont l'énergie s'agrège autour de notre aura. Donc un exemple de forme pensée positive, vous voyez ce schéma, il y a très belle couleur de forme pensée autour de l'aura. Alors un exemple de forme pensée négative, là on voit que les formes ont des couleurs beaucoup moins belles. Évidemment, on va s'attirer des situations en rapport avec les vibrations de nos formes pensées. Donc si nos formes pensées sont belles, positives, on s'attire des situations et des individus positifs. Si nos formes pensées sont laides, négatives, eh bien, on s'attire des personnes et des situations négatives. Il existe une interaction permanente entre les chakras, les auras et les formes pensées de différents individus qui se côtoient sur place ou bien par-delà la distance lorsqu'il y a préoccupation de pensée de l'un vers l'autre. Donc on voit bien sur ce schéma. L'action conjointe de nos chakras, de notre aura et de nos formes pensées joue le rôle d'antenne émettrice et réceptrice pour attirer vers nous ce qui correspond à notre dominante vibratoire. Nous pouvons créer volontairement notre dominante vibratoire par nos pensées positives et visualisations, ce qui fait qu'avec entraînement, nous pouvons attirer vers nous ce que nous désirons. Donc vous voyez le schéma. On voit comme une antenne qui attire
les situations en résonance vibratoire, ainsi que les personnes en résonance vibratoire. On émet et on s'attire les personnes et les situations. En définitive, on pourrait résumer ainsi le mécanisme de la pensée positive par ce schéma. Tout d'abord, au niveau du chakra coronal, par notre méditation silencieuse, par notre pouvoir d'intention, on se relie au plan supérieur et on reçoit des inspirations. Évidemment, s'il y a coupure avec la source, on ne peut pas recevoir ces inspirations. Au niveau du chakra du troisième œil, on élabore sous forme de visualisation et d'image mentale notre projet. Au niveau du chakra de la gorge, la prière affirmative attire les situations et les êtres. Au niveau du chakra du cœur, on ressent. Et au niveau des trois premiers chakras, on a l'émotion correspondante à la réalisation de cette situation. Donc, de bas en haut, de haut en bas, on va manifester progressivement ce pourquoi on visualise, ce pourquoi on prie, ce pourquoi on affirme. Alors, au niveau du chakra du plexus solaire, il peut y avoir des colères anciennes accumulées. Dans ce cas-là, ça va faire barrage. Au niveau du chakra racine, qui est le lieu final de manifestation sur le plan physique, on peut éprouver des peurs, l'insécurité, du manque de confiance en soi. Et là, dans ce cas-là, il y a blocage. On pourrait comparer nos chakras à des salières renversées. Donc le sel, mais il passe par les petits trous. Mais si les trous sont obstrués par analogie par des émotions négatives, coupure avec la source, colère, peur, insécurité, manque de confiance en soi, etc. Les trous étant obstrués, bah, le message ne peut plus passer. Le sel ne descend plus. Alors, conclusion, avant de préciser quelques points. Le grand médecin et maître de yoga de Rishikesh en Inde, Swami Sivananda, disait « Semez une pensée, vous récolterez une action. Semez une action, vous récolterez une habitude. Semez une habitude, vous récolterez un caractère. Semez un caractère, vous récolterez un destin. » C'est un bon résumé du pouvoir d'attraction de la pensée. Maintenant, nous allons répondre à quelques questions concernant le pouvoir d'attraction de la pensée et la pensée positive. Question, pourrais-je apporter une définition plus précise de la pensée positive ? Bien, premièrement, la pensée positive, c'est penser de manière constructive. Par exemple, pas de critique sans proposer mieux. Deuxièmement, c'est penser d'une façon créatrice, c'est-à-dire rechercher des solutions originales, élargir le champ des options possibles sous l'effet de l'intuition. Troisièmement, c'est penser en respectant les intérêts de chacun, ceux qui favorisent l'harmonie. Quatrièmement, c'est voir le meilleur en toute situation et en chacun, la bienveillance, l'amour, permettant de faire ressortir le meilleur en chacun. Cinquièmement, c'est créer et entretenir une image positive de nous-mêmes, donc estime de soi. Sixièmement, c'est penser au présent, c'est-à-dire penser à la réalisation et ne pas s'apesantir sur les échecs passés.
passé. Septièmement, c'est entretenir une pensée confiante, c'est-à-dire malgré les apparences contraires, avoir foi en la Providence. Huitièmement, c'est une pensée qui a décrété de rejeter tout sentiment négatif, par exemple la peur, la haine, le sentiment de culpabilité, le sentiment d'infériorité. Neuvièmement, c'est une pensée tournée vers les autres, favorisant le don, le service, l'entraide, la complémentarité. On développe plutôt la collaboration, la compétition et surtout vis-à-vis de soi-même, ce qui vise à l'amélioration. Dixièmement, c'est penser librement, c'est-à-dire faire preuve d'initiative, prendre des responsabilités, oser sortir du troupeau. Notion d'engagement. Onzièmement, c'est avoir une pensée constamment tournée vers la source suprême du bien dans l'univers, quel que soit le nom dont on l'appelle, donc processus d'alignement. Autre question. Quel est l'historique de la pensée positive? En fin de compte, cette philosophie de la pensée positive a sans doute existé de tout temps. On en trouve les traces dans les grands textes religieux de l'humanité. Nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes résulte de nos pensées. Avec nos pensées, nous bâtissons notre monde. Parole attribuée au Bouddha. Ce pourquoi vous priez, croyez l'avoir déjà obtenu et vous le verrez s'accomplir. Parole de Jésus rapportée dans l'évangile de Marc. À l'époque moderne, c'est au XIXe siècle que cette approche positive a recommencé à émerger de nouveau aux États-Unis avec Ralph Waldo Emerson qui développe le courant de philosophie transcendantalisme. Parole d'Emerson, la plus sublime révélation, c'est que Dieu est en chaque homme. Toujours aux USA, l'immigré anglais Andrew Carnegie, parti de rien, devient l'homme le plus riche du monde. Non seulement il incarne le rêve américain, mais développe une philosophie de la richesse partagée qui influencera beaucoup de penseurs. En Angleterre, à la même époque, l'écrivain Thomas Carlyle développe une vision conduisant à la responsabilité de chacun. On lui attribue cette phrase « Ne te plains pas de ton temps. Si tu le trouves mauvais, demande-toi ce que tu as fait pour le rendre meilleur. » En France, Hector d'Urville, magnétiseur qui exerça et enseigna à Paris à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, étudie l'influence à distance de la pensée et, dans un ouvrage paru en 1897, il développe la notion d'auto-guérison par la visualisation. Mais c'est surtout dans la première moitié du XXe siècle en Angleterre et aux États-Unis que le courant de pensée positive se développe énormément. Les grands penseurs de ce mouvement sont soit des hommes d'affaires qui ont réussi et expliquent comment faire de même, par le pouvoir de la pensée et de l'imagination, soit des personnages fondateurs d'églises chrétiennes aux membres plus ou moins nombreux. Dans les deux cas, ces leaders s'appuient beaucoup sur une interprétation symbolique de la Bible, mais font référence aussi à d'autres religions et philosophies. En 1912, l'homme d'affaires américain Charles F. Hanel, dans son ouvrage « La clé de la maîtrise », définit tous les principes de base de la pensée positive. Il y parle en particulier du pouvoir d'attraction de notre pensée. À la même époque, toujours aux États-Unis, Charles Fillmore fonde l'Unity Church, qui se base sur une interprétation symbolique de la Bible. Vivant très âgé, cet homme exceptionnel a favorisé de très nombreuses vocations. En 1930, l'ingénieur anglais Emmett Fox émigre aux États-Unis.
devient ministre du culte d'une église orientée sur la pensée positive et devient un très grand prédicateur. Tous ses livres sont traduits en français, les deux plus connus étant « Le sermon sur la montagne » et « Le pouvoir par la pensée constructive » qu'on peut toujours trouver actuellement. À la même époque, toujours aux USA, Napoléon Hill écrit l'ouvrage « Réfléchissez et devenir riche » qui aura un très grand retentissement. En France, à partir de 1936, l'écrivain et journaliste Georges Barbarin s'ouvre à la notion de pensée positive et écrit de nombreux ouvrages sur le sujet jusqu'à sa mort en 1965. Tous ces ouvrages sont encore disponibles. Dans les années 1950, Marcel Auclair, femme écrivain et journaliste, cofondatrice de la revue Marie Claire, écrit deux ouvrages fondamentaux de pensée positive, réunis désormais en un seul ouvrage, Le Livre du Bonheur, aux éditions du Seuil. Cette journaliste aura un rôle très important dans la vulgarisation de la pensée positive, car à chaque numéro de la revue Marie Claire, elle y mettait un chapitre sur la pensée positive. À Paris, en 1946, le docteur Mary Sterling fonde le centre Unité Universelle, qui édite depuis cette époque une revue de pensée positive et organise des réunions d'enseignement. Le docteur Mary Sterling a traduit des dizaines d'ouvrages américains de pensée positive en français. En particulier, elle a traduit en français à peu près tous les ouvrages du docteur Joseph Murphy. Le docteur Joseph Murphy, qui avait émigré aux USA, a écrit une trentaine de livres sur la pensée positive. Il a été l'écrivain le plus mondialement célèbre dans ce domaine jusqu'à présent. La plupart de ses livres sont toujours disponibles en français. Le docteur Joseph Murphy a fait des conférences et émissions radio jusqu'à son décès en 1985. En 1960, l'Américain José Silva développe sa méthode de développement par visualisation et relaxation alpha. Dans les années 1970, le Français Christian Godefroy, s'inspirant largement des travaux de Silva, développe ses séminaires de dynamique mentale, créant sa propre maison d'édition. Il permet la traduction en français de nombreux livres de développement personnel. À partir des années 1980, une nouvelle vague de penseurs et écrivains se sont consacrés à la pensée positive, dont Louise Hay, qui a écrit « Vous pouvez guérir votre vie » en 1984. Et elle crée sa propre maison d'édition. À la même époque, Shakti Gawain écrit « Technique de visualisation créatrice, le courant New Age se développe ». À partir des années 1990, Esther et Jerry Hicks transmettent les enseignements sur la loi d'attraction. Certains de leurs livres et CD sont traduits en français et sont très intéressants. Plus récemment, en 2007, Rhonda Byrne réalise le film Le Secret sur le pouvoir d'attraction de la pensée. L'impact de ce film a été considérable. Il est à souhaiter qu'enfin, le mur opaque entretenu par un système matérialiste, donc mur opaque autour de la pensée positive, cède pour le plus grand bien de l'humanité. Car jusqu'à présent, malgré les efforts incessants des grands penseurs positifs depuis 120 ans, ce courant de pensée est resté presque inconnu du grand public. Question très pratique, comment constituer une affirmation efficace? Ce processus de pensée positive, vous pourrez l'utiliser d'une part pour vous programmer une vie positive, épanouissante en général, d'autre part pour pouvoir atteindre des objectifs précis. Premièrement, l'affirmation est toujours constituée au temps présent,
Ce site est à rapprocher des paroles de Jésus rapportées par saint Marc 11, 24. Tout ce que vous demandez en priant, croyez déjà l'avoir obtenu et vous le verrez s'accomplir. Si vous comparez une phrase du type « Ma vie s'améliorera dans l'entendement divin », on peut la comparer avec « Désormais ma vie s'améliore dans l'entendement divin ». Pour le subconscient, « s'améliorera » ne veut rien dire. « S'améliorera demain, dans une semaine, à Pâques ou à la Trinité, autant dire jamais ». Sur les plans subtils, votre pensée est déjà réalisée, puis va se condenser progressivement de plan en plan pour parvenir enfin au plan le plus dense, le plan physique. C'est ce que l'on appelle le processus de manifestation. Deuxièmement, employez une forme positive. Évitez si possible la négation que le subconscient a du mal à distinguer. Si vous répétez « je ne veux pas être en retard, je ne veux pas être en retard », votre subconscient enregistre surtout le mot « en retard » et vous serez effectivement en retard. Évitez « désormais je ne touche plus à la cigarette », dites plutôt « désormais j'ai une bonne hygiène de vie, je respire la vie à plein poumon ». Si vous employez une expression négative, faites-la aussitôt suivre d'une expression positive. Exemple « désormais je dis non à la cigarette » et « j'ai une bonne hygiène de vie, je respire la vie à plein poumon ». Troisièmement, on emploie des adverbes ou des formes adverbiales qui vont renforcer la puissance de l'affirmation. Exemple, désormais, maintenant, dorénavant, il en est ainsi, telle est la volonté divine. Donc, je vous invite à réfléchir sur votre objectif et à constituer la phrase. Quatrièmement, on se met au diapason du superconscient. Selon ses propres conceptions, bien sûr, on invoque Dieu, la nature, l'univers, la cause première, l'énergie cosmique, le principe universel, le divin, la lumière intérieure, le Christ, etc. Exemple, l'entretien avec mon patron s'effectue dans l'harmonie divine, la compréhension parfaite et la vérité spirituelle. On n'utilise pas systématiquement, mais souvent des phrases garde-fous. Exemple, dans l'harmonie du bien, dans l'ordre divin, cela ou mieux encore, en parfaite harmonie. Ces phrases sont bien utiles dans bien des situations. L'intelligence infinie me guide vers telle profession, ou mieux encore. Maintenant, l'abondance divine me procure 20 000 euros, ou mieux encore. Oui, pourquoi se limiter ? Exemple, j'affirme la santé parfaite pour Paul dans l'harmonie du bien. Ça concerne une autre personne, donc travaillez surtout les garde-fous dans ce cas-là. Donc vous voyez que les affirmations sont constituées de 4 ou 5 nécessités, temps présent, une forme positive, renforcé par des adverbes ou une forme adverbiale, on se met au diapason du superconscient en employant un mot en rapport, et éventuellement, ce n'est pas systématique, on peut utiliser une phrase garde-fou. Eh bien, je vous souhaite un très bon entraînement de pensée positive, afin que le pouvoir d'attraction de votre pensée vous attire le meilleur. Au revoir et à bientôt.